Bonjour à tous. Bon, je fais un petit haul chez AliExpress. J'avais besoin de, surtout de dentelle en cordon, on verra après, parce que je suis en train de faire quelques petites créations et je n'en avais plus. Voilà. Alors, j'ai pris celle-ci. Elle est juste. Est-ce qu'il va me faire la netteté? Elle est juste trop jolie. Je n'ai pas pensé à prendre un papier. Voilà, elle est juste trop jolie. Ah voilà. J'adore. Avec des petits pois blancs. Et puis, voilà. Par contre, elle n'est pas élastique celle-là. J'en ai pris une aussi élastique. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je la remettrai dans le sac après. Donc, j'ai pris celle-ci. Je vais prendre celle qui est passée. Après, j'ai pris celle-ci. Alors, je vais essayer de vous la mettre sur ma main aussi. Celle-ci est beaucoup plus grande. J'adore aussi. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Alors, il y en a pas mal hein, quand même. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a que j'en ai pris deux fois. Donc. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Parce que celle-ci, je travaille beaucoup avec. Et je n'en avais plus. Attendez, elle se tourne. Voilà. Bon, il faut que mon téléphone fasse la mise au point. C'est quand il veut. Voilà. Celle-ci. Bon, pépère. Fais la mise au point. Voilà. Celle-ci. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est élastique. Et je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire des petits blocs-notes. Et à l'intérieur. Ici, ben, je mets, je colle un tout petit rond de dentelle là, comme ça, ici, pour y glisser un stylo. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que j'en avais plus. Et j'aimais beaucoup cette dentelle là. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Celle-ci, elle n'a rien avec que. Ah. Je n'ai pas vu qu'elle était attachée. On peut rien, ce ciseau. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris celle-ci. Elle est toute mimi aussi. Et je m'en sers aussi pour mon bloc-notes. Je vous montrerai après. Ensuite, j'ai pris. Voilà, j'ai pris surtout de la dentelle parce que c'est ce qui me manquait. Alors, les gros morceaux de dentelle, j'en ai. Parce que j'en récupère sur des vieux vêtements, sur plein de trucs. J'en avais de mes grands-parents, ma maman. Mais des petits rubans comme ça, je n'en avais pas. J'ai pris celle-ci. Je l'ai trouvée jolie. Bon, il ne va pas me faire la netteté. Voilà, je l'ai trouvée jolie aussi celle-ci, elle m'a bien plu. Donc il n'y en a pas très très long, elle est en deux, mais bon, je vais la tester parce que je l'ai trouvée jolie. Voilà, et surtout celle où j'ai commandé le plus parce que j'en avais commandé chez AliExpress il y a au moins 2 ans. Eh bien, je viens de la finir et c'est vraiment celle-là qui me plaît. Alors, elle n'est pas tout à fait pareille. Enfin, elle a un petit peu changé, voilà. Moi, la mienne que j'avais avant, elle était comme ça. Là, c'était du tulle. Voilà, là, il y avait du blanc avec, on aurait dit, un peu des feuilles. Voilà.
Moi, la mienne, c'est celle-ci que je m'utilise et j'ai trouvé à peu près, voilà, celle-ci. Donc là, c'est un autre genre de tube. Donc voilà la différence. Voilà. Mais elle est pas mal aussi. Pas mal aussi. À part que là, au niveau des petits trous, ben, ça doit être découpé en machine parce que j'ai plein de... Montrer, c'est que j'en ai vu un. Hein. Ben comme là. Est-ce que je vais y arriver? J'ai des problèmes avec ma... Avec, voilà. Vous voyez, il y en a... Les petits ronds, là, ils ont été coupés, mais ils sont pas partis. Voilà. Ils sont pas partis, donc il va falloir que je les enlève. Donc voilà. C'est juste ça. Bon, il me fait la vidéo. Voilà. Ouais, vous voyez là? Voilà. Là, vous voyez là? Bah, il y a des petits ronds qui sont pas partis. Donc va falloir que je m'amuse à retirer. Voilà. Autrement, c'est tout. Mais voilà, je trouve. Que ça rend trop bien sur les mes petits livrets que je fais. Et puis en bas, bah là, j'ai mis des perles, enfin des, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, voilà, des perles en plastique qui se suit. Et d'habitude, ce que je mets, mais j'en avais plus, donc j'avais mis ça. D'habitude, je mets, hop, je mets. Voilà, ce ruban. D'habitude, je mets ce ruban-là en bas. Et comme j'en avais mis, j'en avais plus, j'ai mis cette petite perle. Mais d'habitude, je mets le ruban là. Je trouve que ça fait plus joli. Puis ça fait un rappel avec le haut, ça fait plus joli. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pic parce que le mien, il a cassé. Donc, voilà. Bon, le mien était un peu plus fin. Je le pensais plus fin. Mais... On verra bien. Et je pense qu'il va quand même faire l'affaire. Et j'ai pris ça parce que j'étais un peu en galère. Je vais commencer à faire aussi des arts du jeune journal, et puis certaines créations, je les découpais moi-même. Donc j'ai pris aussi ceci pour faire des onglets. Voilà. J'en avais téléchargé sur Pinterest et puis je les imprimais, je les découpais. L'encre va me coûter plus cher. Donc j'ai dit je prends ça et puis comme ça je fais mes découpes sur mes papiers que je veux. Voilà, comme c'était surtout sur du papier marron ou à fleurs, voilà. Et puis si j'ai pris aussi une autre chose, j'ai pris ces deux feutres. C'est de feutre pour écrire sur les, comment ça s'appelle? Sur les cachets de cire. Je cherchais le nom. Voilà. Donc un argent et un or. Voilà. Et j'ai essayé, effectivement, ça tient. Ça tient bien. Ça sèche assez rapidement, je trouve, parce que j'en ai fait 2-3 et je suis revenue au premier et quand j'ai touché, c'était sec. Donc voilà. Pour AliExpress, c'est fini. Je vais juste vous montrer. Hier soir, je suis allée vite fait à Action. Bon, il n'y avait pas grand-chose. J'ai trouvé ça. Je sais pas si en l'ouvrant ça va pas se casser la figure. J'ai mal pour l'ouvrir. Est-ce que vous allez voir sans ça se casse la figure? Je vais essayer de vous mettre par-dessus. Voilà. J'ai trouvé ceci. Alors, il n'y avait plus que trois. Donc voilà, il y en avait trois verts et un rose. J'aurais bien aimé le rose parce que j'aime bien faire travailler sur du shabby vintage. Mais il était ouvert et il y en avait partout. Donc du coup, bah, j'ai pris juste un vert. Et puis, j'ai pris ceci.
C'est un organisateur de bureau, enfin voilà, qui tourne. Parce que moi, toutes mes affaires, là, c'est d'un. J'en ai sur plusieurs pots comme ça. Donc, j'ai trouvé ça bien pratique. Ça valait dans les 2 euros et des brouettes. Allez, on arrondit à 3 euros. Et tout ce qui est dedans était compris avec. Donc, dedans, il y avait deux crayons de bois, crayons de papier, hein, suivant comme on appelle ça, suivant les régions. Une paire de ciseaux, alors là, vous pouvez jeter à la poubelle qui coupe rien du tout. Une règle qui fait les centimètres et les inches et qui va jusqu'à 15 centimètres. Voilà. Petite règle, ça peut toujours dépanner. Un stylo noir. Ensuite, une gomme toute blanche. Des trombones noirs. Je les trouve trop mignons. Ensuite, un taille-crayon. Alors, qui est pas mal parce que je le prends. J'ai voulu tester pour tailler un crayon de papier. J'ai dit, bah, c'est fermé. Enfin, j'ai dit, on ne peut pas rentrer le crayon. C'est quoi ça? Eh ben non, il y a un système qui est pas mal. Alors, je ne sais pas. Alors, vous voyez? Hop, vous tournez le haut. Alors, c'est pas facile avec une main. Vous tournez et hop, la petite porte s'ouvre. Vous pouvez tailler votre crayon. Et vous retournez et hop, la petite porte se ferme. C'est comme ça. Si vous mettez ta crayon dans une trousse, et ben une fois que vous avez taillé et qu'il y a les morceaux de ce que vous avez taillé de votre crayon dedans et que vous ne pouvez pas le vider tout de suite, ben vous fermez la petite porte et rien ne sort. C'est pas mal. Et ensuite, ce que j'ai trouvé mignon aussi dedans, il y a une boîte d'agrafes. C'est une petite agrafeuse. Voilà, elle est toute mimi. Vous pouvez la mettre dans une trousse ou dans un petit sac de voyage quand vous voulez emmener du scrap. Et elle agrafe très très bien. Alors là, je l'ai essayé hier soir. Je me suis dit, alors toujours d'une main, ça va être compliqué. Là, c'est vraiment une petite vidéo à l'arrache. Hein. Hop! Et elle agrafe très très bien. Je suis vraiment désolée pour la petite vidéo, mais voilà, c'est vraiment une petite vidéo à l'arrache aujourd'hui. Et puis donc bah, le reste avec AliExpress. Voilà tous mes achats pour l'instant d'AliExpress et d'hier soir d'Action. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Désolée pour cette petite vidéo, vraiment un peu. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal de mer. Hein. Ça a été vraiment du sur le pouce, hein, filmé sur le pouce. Parce qu'aujourd'hui je devais travailler et du coup bah, ça a été annulé. Voilà, donc bah, vite fait, j'ai déballé tout ça. Voilà, et je vous fais la petite vidéo avant de tout ranger parce que là je m'en vais ranger mon bureau, nettoyer et voilà pour vous faire une petite vidéo un peu sur mon retour et pouvoir finir mes bloc-notes que j'ai commencé parce que j'en ai 4 ou 5 de fait, mais que j'attendais mes dentelles pour pouvoir finir les décorations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.